mes frères et sœurs, c'est temps pour que nous sommes capables de préparer, non, pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Parce que le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est une surprise pour tout le monde qui était régimbé à la parole de Dieu. Il va y avoir une surprise, mais tout le monde qui fait la volonté de Dieu, qui va y avoir un jour béni. Amen. Parce que nous attendons un retour glorieux de Christ qui vient chercher l'Église. Parce que, voulez ou non pas, le monde sera christianisé. C'est-à-dire, Jésus-Christ est pour gouverner le monde comme roi. Il était venu dans un premier temps, il a couronné lui. Et puis, ça n'est pas de vle, attendez bien. Ça n'est pas de vle, et puis il a dit la propre bouche. Qui ça le dit? Il n'a pas de vle accepter que Jésus-Christ est roi. Et puis à la fin, il a pris Jésus au crucifié, sous une croix, et puis il a écrit sous tête lui, mais roi juif. C'est-à-dire, ça n'a pas de vle, ça n'a pas de vle tendre, et bien, quand il a dit à propre bouche que Jésus c'est roi juif, là, puis il était capable d'ignoriser lui, et bien, quand même, il a dit à propre bouche pour montrer que, vle ou non pas, même si méchant fâché, même si content, Jésus-Christ a retourné venir chercher l'église pour aller dans le ciel ensemble avec lui. Moi, j'ai mal passé 7 ans, une semaine ensemble avec lui dans la gloire du Père. Ou même, qui était gaspillé temps. Pas gaspillé temps pour bagarre qui pas voir rien. Accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Parce que Jésus n'est pas loin pour le retourner. D'accord? À bon attendeur, salut. Shalom à tous, shalom. Shalom, shalom. Que bon Dieu bénisse.